Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on s'attaque à MechWarrior 5. Avec le DLC, donc il y a des choses que vous ne verrez ici qui n'est disponible que grâce au DLC, mais grosso merdo, le jeu est pareil, que ce soit en phase vanilla ou pas. Je suis dans la phase carrière, donc il y a une phase campagne, une phase carrière. Finalement, il n'y a pas une grande différence entre les deux, si ce n'est qu'il y a une trame scénaristique sur certaines missions dans le mode campagne. MechWarrior, c'est tout simplement un jeu de méca où vous devez gérer votre équipe de mercenaires dans le grand conflit extraplanétaire, multiplanétaire de la sphère intérieure. Donc on a la Terre qui est ici et l'humanité s'est étendue un peu partout, comme vous pouvez le voir assez loin quand même. Et puis et ça se passait bien, puis ça se passe moins bien. Et puis c'est la guerre, des factions se créent et se font la guerre non-stop. Et nous. Nous sommes des mercenaires, donc la guerre, ça nous fait du bien car ça nous permet d'avoir des contrats juteux et prospères qui vont nous payer nos factures, nos dépenses et nos gros mécas bien vénères. Il y a pas mal de mécas différents, là ça en a certains, j'en ai d'autres qui traînent ici. Chacun avec leurs particularités, leur armement, tout ci, tout ça. Qui peut bien entendu être détruit, donc il faut également, grâce au marché, veiller à pouvoir vous réapprovisionner en armes et équipements. Chaque arme et équipement a différents grades d'efficacité. Celui-ci, bien entendu, beaucoup plus puissant et beaucoup plus optimisé que celui-ci, même si c'est pas tout à fait le même. Hein. Ici, c'est APE. Mais vous voyez, ici, il y a différents grades. D'ailleurs, celui-là, je vais l'acheter. Et ça coûte bonbon, donc il faut bien jouer entre les armes de bonne facture et de mauvaise facture. Hein. D'ailleurs, donner généralement des armes de bonne facture à l'IA, c'est pas toujours une bonne solution. Équiper peut-être vos pilotes avec de l'équipement un peu de moins bonne qualité, mais suffisamment pour tenir justement quand même la cadence, parce qu'il y a plusieurs grades de difficulté de contrat. Par exemple, celui-ci est beaucoup plus simple que celui-ci. Bien sûr, se battre contre des factions et pour des factions influence la réputation que vous avez avec elles, et ça donne dans les points de négociation ici qui servent à mieux négocier les contrats pour être mieux payé, avoir plus grosse assurance ou plus récupérer plus de parts de butin, ça veut dire récupérer des pièces d'équipement ou des mechas après la bataille. Une faction que vous allez tout en combattre va vous haïr, donc vous ne pourrez pas en tirer de très très bons contrats, alors qu'une faction pour laquelle vous vous battez souvent, comme c'est le cas actuellement avec moi avec la maison d'avion, eh bien vous avez des bonus qui vous permettent d'avoir de meilleurs contrats. Il y a également des contrats qui se passent en plusieurs phases, donc là c'est un contrat normal, donc vous faites de la mission, vous partez, c'est terminé, vous êtes payé. Il y en a d'autres où il faut accumuler et faire à la chaîne plusieurs missions, et donc il faut veiller quand même avoir les mechas en bonne condition pour pouvoir les faire, quitte à avoir une certaine réserve. Hein. Donc ne faites jamais ces missions à la chaîne sans être préalablement préparé. Bien, on va commencer un petit contrat. Tout simplement, non, on va pas se battre contre la maison d'avion, c'est justement mon employeur principal. On va prendre celui-ci. Voilà, difficulté 43. Les cartes sont générées procéduralement, avec des particularités, des tailles différentes. Même si finalement, bon, on retrouve quand même, c'est souvent la même chose, hein, comme quasiment toutes les cartes faites généralement de manière aléatoire, mais ça donne quand même. C'est toujours très très bien, c'est sympa. C'est un bon point. On a 10 points de négociation, je mets déjà tout dans la paye en valeur. Je vais peut-être mettre un point en couverture de dégâts, c'est l'assurance. C'est-à-dire que si jamais vous mettez un point ici, vous n'allez peut-être pas forcément gagner les 400. Hein. Il faut que les dégâts provoqués durant la bataille équivaut à ces 400-là. Sinon, si vous n'avez que 150 de dégâts, vous ne toucherez que 150 et pas les 400. Par contre, si vous recevez plus de 400 000 de dégâts, bon, bah là, malheureusement, le surplus, ce sera de votre poche. À vous de gérer. Comment vous battez? Mais là, vu qu'en 43, on commence déjà à avoir des gros gros balourds en face, alors que même nous sommes des gros gros balourds, on risque d'avoir de la casse. Donc, je vais prendre un peu de couverture d'assurance de dégâts. On a également une limite de tonnage, hein, c'est très simple. Vos mechas ont un poids. Si le poids, je sais pas si ça dépend de la difficulté, mais on imagine que ça dépend de la gravité terrestre, etc. Vous ne pouvez pas donc déployer une plus grosse masse que ça, donc là je suis limité à 230. Alors moi ça m'arrange pas, c'est que j'aimerais bien avoir une outre, le Warhammer que j'adore, c'est mon bébé. Je l'ai pas en version héros parce que vous pouvez voir ici, on a ici il est jaune et lui il est pas jaune, voilà. Donc on a parfois dans certaines lignes de production, il y a des systèmes stellaires, des groupements de planètes qui représentent des grosses planètes de production industrielle, et parfois celles-ci mettent en vente de meilleures armes ou de meilleurs mechas, dont des mechas améliorés ou des mechas héros, et ces mechas héros ont de très bonnes stats par rapport à leurs homologues plus traditionnels, et ça coûte bien sûr très très cher, hein. Comptez quand même parfois plusieurs dizaines de millions pour pouvoir vous les acheter, mais une fois que vous les avez, franchement, profitez-en. Mon objectif, moi, personnellement, c'est de trouver un Warhammer WHM ou
je ne sais pas le reste de la série, en héros, parce qu'il y a également plusieurs modèles différents. Ici, on a deux Cicadas. Voilà, mais vous voyez, c'est pas la même chose. Là, c'est un 2A et ici, c'est un 2B. Et il y a quelques petites variantes comme ça au niveau de l'armement par rapport entre les deux modèles. Vous avez également différents pilotes que vous pouvez recruter au niveau des barres. Chacun avec un niveau max. Donc, vous avez des gens plus compétents que d'autres, bien entendu. Et également leur spécificité. On peut voir ici que lui est plutôt pas mal avec les armes à projectiles. Tandis que lui est plutôt pas mal avec les armes à énergie. Voilà. Alors que lui, c'est plutôt les missiles qui sont dada. Donc, il faudra bien améliorer tout ça. Ils peuvent être blessés. Donc, pendant X dizaines de jours, ils ne peuvent pas se battre. Je ne sais pas s'ils peuvent mourir. En tout cas, si c'est le cas, c'est extrêmement rare. Client has gained reliable intel on a series of warehouses that were neutralized. Were you to proceed to each location marked on the map, Voilà, on vient à peine de débarquer, pile sur une zone ennemie. Alors on peut voir en bas à gauche l'état de mon mec à moi, celui là en haut à droite, celui de l'ennemi. Ah, au gauche, caché par ma cam, c'est la minimap, c'est pas très important. Et en bas à droite, vous avez les différents armements. Il faut savoir qu'il y a également une barre d'énergie. Si jamais vous dépassez cette barre d'énergie là, votre mec tombe en panne pendant quelques secondes, le temps de le redémarrer. Ça vous rend extrêmement vulnérable et vous ne pouvez pas le dépasser. Donc il faut absolument pas dépasser cette barre d'énergie. Ah, j'étais un peu surpris là, on nous a vraiment débarqué au mauvais endroit. Hein. D'habitude on arrive en vaisseau spatial. Bon, ça arrive que dans certaines missions ce soit comme maintenant et ce n'est pas le cas. Mais généralement on arrive quand même assez loin de la zone de combat. Pour ce Warhammer-là, j'ai installé un système de tourelles de mitrailleuse qui me permet de tirer continuellement sur l'ennemi sans user ma barre d'énergie. Voilà. Bon, on voit pas grand-chose, je vais mettre en vision nocturne pour les besoins de la vidéo. Donc il y a énormément de biomes de planètes différents. Là, c'est plutôt désertique, stérile. Mais vous pouvez tomber sur des planètes luxuriantes, des astéroïdes. Il y a pas mal de choses. Donc d'un point de vue biome, c'est vraiment sympa et c'est un jeu moi que j'aime bien. Franchement, c'est pas prise de tête. Un peu comme War Thunder, hein, finalement, ce sont des jeux que vous jouez pour passer le temps, comme ça va vous prendre trop la tête. Même si parfois War Thunder, ça c'est quand même parfois prise de tête. Mais là, franchement, c'est tranquille. Ils sont nombreux les cocos. Hein. J'ai pas porté. Alors j'aimerais ne pas perdre mon équipement parce qu'il me coûte très très cher. Oula oula oula. Alors il y a aussi un truc qui a été rajouté avec le DLC. Ou alors qu'il y a eu une mise à jour peut-être entre temps, mais c'est vraiment payé le DLC que je connais ça. Ce sont des missions données par le bar qui vous permettent de chasser X mecs particuliers. De récupérer X parts particulières de tel ou tel matériel de canon, etc. Réacteur. Et ça vous donne des avantages et des améliorations que vous pouvez attribuer à votre mec. À vos mechas. C'est plutôt sympa. Ça rajoute encore plus de profondeur au niveau du gameplay. J'ai pas encore pu vraiment trop m'y intéresser actuellement. Mais le DLC lui-même, sans forcément changer grand chose au niveau du jeu. Sans apporter forcément énormément de choses, a approfondi quand même le gameplay. Donc vous pouvez vous contenter tout simplement du jeu de base, qui est déjà très très bon. Mais avec le DLC, vous allez encore plus vous amuser si vous aimez le jeu. A savoir, de ce que j'ai compris, c'est que le mode carrière n'est disponible qu'avec le DLC. Je peux peut-être me tromper, mais c'est en tout cas une nouveauté qui est apparue avec le DLC. Néanmoins, sachez que si jamais vous faites le mode campagne, qui est quasiment le même que le mode carrière, hein, finalement, et vous pouvez facilement apporter votre sauvegarde du mode campagne dans le mode carrière, pas l'inverse par contre. Donc si jamais vous hésitez à acheter le DLC, ou vous voulez juste tester le mode de base et que vous êtes lancé dans une partie en campagne sans aucun problème, vous pouvez ensuite, si vous voulez acheter le DLC, reprendre la partie que vous avez fait en campagne pour en faire une partie carrière. Voilà, donc vous n'êtes pas franchement obligé d'investir directement dans le DLC. Mais si vous aimez le jeu, franchement, n'hésitez pas. C'est du bon. C'est un bon jeu. Un jeu qui est quand même passé pas mal sous les radars, je trouve. Il était en exclusivité Epic Store.
crois, dans moins un an. C'est là que j'ai connu, m'a tout de suite bien plu. Puis je l'ai mis un peu de côté, j'ai attendu le DLC qui a pris beaucoup de temps pour sortir, beaucoup plus de temps que prévu, facilement 6 mois de retard. Et maintenant qu'il est sorti, j'y retourne. Et j'en fais une vidéo que je vous présente actuellement. C'est franchement un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout que maintenant vous pouvez l'avoir pour une trentaine d'euros sur Steam, sans doute peut-être même moins cher sur certains sites de revente. Donc franchement pour ce prix-là, foncez. Quoi. C'est, si vous aimez les mechas, même si vous n'aimez pas les mechas, moi je suis pas un grand fan des mechas de base. Hein. Mais franchement j'aime bien ce jeu. C'est vraiment très très sympa. Donc on l'a pété sa jambe, on voit qu'ici c'est presque plus bougé. C'est très embêtant pour ce genre de mechas qui sont très très légers et qui sont surtout forts de par leur vitesse. Oula, 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 je prends cher. Alors sur certains mechas on a un jetpack, pas sur celui-ci. Voilà, là je suis en surcharge, là. Malheureusement là j'ai été trop gourmand. C'est-à-dire que là j'ai plus de protection, j'ai plus rien, il faut attendre que ça se démarre, voilà. Donc ça peut être très très compliqué. Alors franchement les mitrailleuses qui ont des bâtiments c'est le meilleur. Hein. Ah merde, les odeurs renforts. Ici. Bah normalement en début de mission on apparaît également à la terre de ce genre de bâtiment là. Bon là à l'occurrence ça n'a pas été le cas. Ça sert à rien de leur tirer dessus. Hein. Ça a marqué comme quoi ça prend des dégâts mais j'en ai jamais vu un seul se faire détruire. Alors ils sont extrêmement résistants. Voilà, ils sont là. Je suis étonné, il avait un bouclier. Oh là là, on prend cher. Là, je suis en train de perdre. J'ai perdu mon blindage droit. Ça devient très compliqué de tenir là. Je risque de perdre mon matos. Résistant lui. Toujours pas détruit. Dégage. Voilà. Là vous voyez sur le symbole un petit point au niveau du losange ennemi. C'est plus il a de points, plus il est gros et puissant. On va voir aussi sur nos alliés. Oh là là, ils sont encore grand. Il faut que je me dégage. Je suis en train de perdre mes membres là. Et ça va signifier me faire perdre beaucoup de pognon à réparer tout ça. Alors attention à sauter trop, hein. On peut voir ici, ça prend des dégâts au niveau des jambes. Pas beaucoup, mais c'est toujours ça de perdu en termes de résistance. Alors on finit ça. Voilà, et on se casse, il faut atteindre cette zone-ci, c'est là que notre vaisseau va pouvoir nous récupérer. Alors vous pouvez donner des ordres à vos collègues, hein, mais les ordres sont quand même assez limités. Hein. C'est genre F2 pour le premier, vous dites... allez, va autour de moi par exemple. On va à telle position, attaque telle cible. Généralement, ils font très bien leur travail tout seul. Bon, finalement, j'ai pas perdu mon membre, mais ça s'est joué vraiment de très très peu. On voit qu'il a plus le blindage, il est dans le rouge. Il va falloir quand même, à mon avis, que je répare les armes dessus. Donc voilà, la mission est terminée. On peut voir également ici que vous avez une barre de progression de réputation. A savoir que plus vous allez avoir une réputation élevée, plus vous allez avoir de meilleurs contrats, de meilleures propositions d'armes, etc. Mais également des contrats plus difficiles. Ici, c'est la zone de récupération. Donc, à la fin de chaque bataille, vous pouvez prendre des canons, des mechas, etc. Chaque prise a un coût en points. Là, je suis limité à 6 parce que j'ai pas négocié mon contrat pour pouvoir avoir réellement beaucoup de prises de guerre. Bon, j'avoue que c'est un peu embêtant parce que quand on voit le nombre de mechas qu'on aurait pu avoir, ça aurait pu être utile. Ouais, j'aurais dû mettre vraiment masse de points dedans sans forcément être sûr d'avoir ça comme proposition. Hein. Parfois, vous avez des canons tout pourris à récupérer, donc mettre trop d'investissement dans le contrat au niveau départ à récupérer, c'est pas toujours très très malin. Ici, on voit que j'ai pris pour 1 183 942 dégâts, et au total, avec l'argent que j'ai récolté, j'en ai gagné environ 3 270 000, etc. C'est comme ça qu'on considère notre ratio d'efficacité, mais c'est pas tout, parce qu'il va falloir réparer nos petits mechas. Alors autant nos pions ne sont pas blessés, c'est déjà ça, autant nos mechas sont dans un sale état. Et il faut savoir que vous avez ici, ce sont les zones de guerre que vous avez ici, la sorte de tâches. Et là, ce sont les lignes de production, vous voyez des meilleures armes, des meilleurs mechas, etc. Là, ce sont des missions un peu plus spéciales qu'on vous recevait de temps en temps. Là, je ne l'ai pas encore faite. Ça vous donne... pas grand chose de plus finalement que les missions aléatoires que vous pouvez retrouver ici sur la carte. Bon, il faut les réparer ces mechas. Et dans les zones de guerre, ça coûte beaucoup plus cher que dans les zones de paix.
et ça vous fait prendre et ça vous demande plus de temps. Donc à vous de voir si c'est pas plus malade parfois de revenir sur ces zones-ci. Voilà, donc on va réparer ça. Je pense que clairement ça devrait quand même aller. Ouais. On paye quand même 55% de plus. Savoir que quand vous vous déplacez, ça prend du temps. Mais le temps, c'est de l'argent parce que vous devez payer quand même le salaire et l'entretien de vos troupes. Et ça prend du temps et ça coûte 50 000 par saut. Ça ferait 100 000 pour le voyage, plus on va dire 200 000 pour l'entretien général. Ah, c'est peut-être pas très très rentable. Non, peut-être pas. Ça va même coûter moins cher. Voilà, il a réparation. Donc pendant qu'il a réparation, on ne peut pas l'utiliser. Ah. Ah, j'ai quand même perdu mon CPP. Oh non, regardez, c'était le super canon, quoi. Et ah, il est quand même détruit. Même sans avoir perdu le bras, j'ai quand même paumé le bazar. Il va falloir le changer et j'en ai malheureusement plus qu'un seul ici. Donc là c'est le bar, c'est là que vous allez trouver les missions spéciales dont je vous ai parlé. Donc par exemple ici il faut détruire trois mecs locaux, ce sont vraiment les tout petits. Très rapide, très nerveux. On peut accepter, ça débloquera des réputations de carrière, des réputations, des équipements, etc. C'est pas foufou mais généralement vous allez quand même finir par les accomplir au fur et à mesure du temps. Donc pourquoi ne pas les prendre, hein. Vous êtes limité à 6 missions maximales. Et lui, il lui faut quoi? Réacteur de saut type 4. Je pense que j'ai déjà ça. Ouais, c'est ça, je l'ai déjà. On va leur donner. Voilà, et si vous augmentez vos niveaux de collectionneur, de destructeur, etc., ce qui vous débloquera des améliorations, comme vous pouvez le voir ici, que vous devrez ajouter à vos mecs, un peu comme une pièce d'équipement. On va prendre un nouveau contrat. Est-ce que tout le monde est réparé? Non, mon Warhammer n'est pas encore réparé. C'est très simple. Quand c'est comme ça, vous allez dans chronologie et vous pouvez passer au prochain événement qui, à l'occurrence, c'est la réparation de mon mecha. Voilà. Il lui fallait 2 jours de plus pour être réparé. C'est chose faite. Vous avez également un marché noir qui vous permet d'avoir accès à de l'équipement parfois un peu spécial mais qui coûte un peu plus cher. Bien, alors les contrats, qu'avons-nous ici? Nous sommes vraiment en train de nous battre contre les indépendants. Ici, type de mission 3. C'est-à-dire que ici, vous êtes obligé de faire 3 missions d'affilée avant de pouvoir commencer à faire ce que vous voulez. Vous êtes bloqué pendant 3 missions d'affilée. C'est beaucoup. Déjà 2 missions, bon, ça peut parfois être compliqué suivant les mechas que vous avez. Mais alors 3 généralement, ils y passent tous. Hein. C'est pas en début de partie qu'il faut faire ça. Il faut vraiment déjà avoir une sacrée armada dans votre vaisseau. On va prendre ça à vous l'honneur. Et on a également un effet météorologique qui peut nous poser problème. Ça peut être des pluies acides, etc. Là, c'est surtout de la pluie, mais les pluies acides, par exemple, attaquent petit à petit votre blindage. Donc, il ne faut pas rester trop longtemps sur la planète, sinon vous allez prendre des dégâts inutiles. Ah ouais, il pleut bien. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un tout nouveau biome, hein. Ça n'a rien à voir avec le précédent. Par contre, je sais pas, on est en Bretagne, il pleut tout le temps. Ok, donc là, on a l'objectif optionnel de détruire les relais pour pouvoir permettre à des renforts d'arriver. Notre but est de prendre la villa. Et on a également dans ce genre de mission des positions d'artillerie qui vont nous pilonner tout le temps. Il va falloir les détruire. Et il faut d'abord les trouver. Alors n'hésitez pas, si vous avez le DLC, parce que je pense que ce n'est qu'avec le DLC qu'on a ça, de visiter parfois des petits avant-postes, des petits greniers isolés. Vous pouvez parfois pouvoir looter de l'équipement caché à l'intérieur. C'est nouveau, il n'y avait pas ça avant. Donc ça vous permet d'avoir du matos généralement de mauvaise qualité, mais gratos. Voilà, l'artillerie qui en est déjà pilonnée. Vraiment qu'on s'en débarrasse rapidement. Qui c'est qui m'a tiré dessus? C'est toi là? Ok, l'artillerie est là, on les a repérés. Ok, ils sont assez proches, j'ai l'impression. Voilà. Dans ces trucs là, parfois vous allez avoir de l'équipement qui va apparaître. Je sais pas si ça va être le cas cette fois-ci. Non, ça n'a pas été le cas. Bon, on va d'abord s'occuper de l'artillerie. Stop! Voilà. D'ailleurs, ils sont vraiment hors carte. Là, on a vraiment beaucoup de chance de les avoir si proches. Stop. Bon, ça en fait déjà quelques-uns en moins. Ouais, mais ils sont très nombreux sur cette carte-là. Hein. Ouh. Où est-ce qu'il tire là?
Allez, on va détruire ces canons-là. Ils nous rendent la vie impossible. Voilà, arrêtez de nous tirer dessus, vous. Il reste encore deux. Voilà, ouais, ils sont vraiment très nombreux. D'habitude, ils sont pas si nombreux. Hein. Mais ils sont pas non plus aussi proches. Oh là là, regardez tout ça. Tout ça, c'est des pots d'artillerie. Ah, d'habitude, il y a 5-6 canons, là. Là, il y a deux fois plus. Il faut vraiment qu'on fasse le tour de propriétaire pour éviter qu'il continue à nous pilonner. Il nous reste un poste d'artillerie ennemi. Où est-ce qu'il est? Oh non, ils ont des renforts aériens, là. Ah, ils sont là. Oh non, 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 je suis plein dedans. Aïe, 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 aïe. Ouais, là, franchement, le plus efficace, c'est la mitrailleuse. Hein. Et de très, très loin. Voilà, ils ont plus d'artillerie. Enfin. Bon, avant de capturer ça, on va vraiment s'occuper de leur station satellite. On aura bien besoin de renforts, ne serait-ce que pour faire diversion au niveau des tirs ennemis. Ils ont encore du soutien aérien qui arrive. Quoi, d'artillerie? Encore? Ouais, ils n'hésitent pas à tirer également sur leur propre base. Hein. Ah, voilà. Enfin. Enfin. Si vous pouvez ramasser ce genre de petit coffre, ça vous donne de l'équipement. Ou de l'argent, en tout cas. C'est toujours utile. C'est gratuit. On prend. On sent vraiment le sentiment de puissance. Hein. Les bâtiments, on les explose comme des fûts de paille. Voilà, ils ont plus d'artillerie, je crois. C'est enfin fini. Là, on peut voir qu'on a enfin un peu de verre. Là, ce sont les alliés qui sont venus. Par contre, eux, ils ont des renforts aussi. Bon, on va pouvoir enfin se diriger vers la cible principale. Et on est encore loin d'avoir fini. Ils ont eu des renforts, ça c'est embêtant. Bon, ce qu'ils nous ont envoyé comme renfort ennemi, c'est pas des gros trucs. Et même des petits, ça peut faire du dégât. On va quand même s'en débarrasser parce qu'ils vont en avoir encore des renforts. Donc, plus vite on nettoie le terrain, mieux c'est. Ah merde, ils ont des renforts encore. Ça n'en finit jamais, hein. C'est l'enfer. Nos renforts sont déjà à moitié détruits, c'est ça? Ouais, ça, c'est un peu plus gros, ça. Allez, les crèves. Voilà, parfait. Ok, on les a vus. Alors, c'est très difficile de se mouvoir sans casser des trucs. Hein. Quand votre mission, c'est de défendre une installation et que vos alliés, ils n'arrêtent pas de tout défoncer en se déplaçant aléatoirement comme ils le font, j'avoue que vous avez un peu les boules. Hein. Mais en même temps, bon, ils sont un peu cons, hein. On peut pas leur en vouloir, c'est nia, mais... voilà, quand vous devez, par exemple, ici défendre la zone, bah, vous voyez, ils écrasent tout sans réfléchir. Voilà, arrêtez! On est censé prendre cette place forte, il reste plus que des ruines, ça sert plus à rien. Ah bah on a réussi. Bah finalement, on a éliminé également leur renfort. Et voilà, bon bah ils débarquent. On a fini la mission. Donc là pour le coup, j'ai assez de points pour pouvoir prendre des mechas. On va peut-être prendre le crabe. Voilà, je pense pas l'avoir dans ma collection. Ça me prend tous mes points. Bon, c'est pas grave. On a été très très bien payé pour ces missions. Très 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 bien. Finalement au niveau des dégâts, ça se chiffre pas à beaucoup, donc j'ai bien fait de pas prendre l'assurance. Ok, 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 ok. Belle petite mission, pas mal de bastons, impressionnant. J'espère que la vidéo vous aura plu. On va se laisser là. Si elle vous a plu, petit pouce bleu, abonnement, commentaire, vous connaissez le principe. Et on se dit à très bientôt sur la chaîne pour d'autres vidéos. Salut, bye bye.